très digne. Très digne est son nom. Très digne est son nom. Très digne est son nom. Je pensais qu'un peuple reconnaissant élèvera le nom le plus élevé. Je pensais qu'un peuple reconnaissant ce matin, qu'une âme reconnaissante le célébrerait ce matin avec ferveur, avec zèle, avec enthousiasme, parce qu'il a tellement fait pour nous. Il a fait tant de choses dans nos vies. Nous ne pouvons nous tenir de manière indifférente. Nous voulons lui offrir avec ferveur notre louange. Notre Dieu est le seul Dieu qui règne et qui est digne de louange. Alléluia. Roi, il est mon roi et il est digne d'être célébré, il est digne d'être honoré, d'être glorifié. Nous venons t'adorer, nous venons adorer le seul qui est digne de gloire. Comme les mages, lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils disent: où est l'enfant? Nous sommes venus l'adorer. Mais ce n'est plus l'enfant que nous venons adorer ce matin. Nous venons adorer le Fils du Dieu vivant, le Rédempteur du monde. Son nom est Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut le célébrer dans l'assemblée des saints? Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Notre Dieu est le roi du roi. Il est le roi du roi. Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. 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 Acclame-le. Célèbre-le ce matin. Glorifie-le. Lui seul a dit. Notre roi. À lui soit tout. À lui soit la louange. À lui soit la louange. Célébrons-le ce matin. Lui seul est dit d'être élevé en ce lieu. Lui seul est dit d'être célébré en ce lieu. Il est le roi. Il est le roi de gloire. Le roi de gloire. Et il règne. Il règne. Il est le roi de gloire. Pas seulement notre roi,
Il est le roi de gloire.